Eh bien, salut les amis, c'est Oxy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour transformer des golems de fer en golems ultra cheatés. Hein, vous allez voir, on aura des golems d'or, des golems du Nether, des golems de fer, mais pas le golem de fer que tu connais. Tu vas voir, c'est beaucoup trop stylé. On va créer une armée de golems qui va combattre des cyclopes ou encore des dragons. Vous allez voir, ce sera incroyable. En tout cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Hein, très important, 72% des gens qui me regardent ne sont pas abonnés. Mais si tu te demandes quel est ce siège rose là que j'ai pris, c'est celui de ma copine. Il est vachement confortable, donc je me suis dit que j'allais lui prendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, pense à me suivre sur TikTok. Du coup, bienvenue les amis dans ce monde où on va pouvoir upgrade nos golems de fer. Vous allez voir, ça va être totalement incroyable. Dans cette vidéo, je serai en créatif puisque on n'aura pas besoin de moi à proprement parler, mais surtout de golems de fer. Enfin non, ils ne seront plus en fer. Je vais vous présenter tout de suite les différents golems que nous allons pouvoir crafter. Donc déjà, nous avons le classique golem de fer. On le connaît, celui-là, hein, il est classique de Minecraft. On va l'upgrade. Ah oui, désolé, je t'ai provoqué un petit peu. Et là, tu te dis, fuck, il est en créatif, je peux pas le taper, il a de la chance. Ouais, ouais, je suis désolé, mon gars, c'était pas ce qui était prévu. Bon, et en tout cas, vous avez vu, hein, j'ai encore fait une jolie petite maison. Vous avez détesté la précédente maison, je suis d'accord avec vous, elle était affreuse. Bon, celle-là, je la kiffe, elle est mignonne. Bon, du coup, nous allons avoir plusieurs golems, comme je vous le disais. Ici, nous aurons le golem de pierre. Ici, nous aurons le golem de fer. Ici, le golem d'or. Ici, le golem d'obsidienne. Ici, le golem de sandstone. Ici le golem de Endstone et ici le golem de Netherbrick. Ils vont être tous totalement incroyables, vous allez découvrir ça, j'ai trop hâte. En tout cas, avant que les choses commencent, il va nous falloir, mesdames et messieurs, un petit peu de redstone et des citrouilles. On va prendre ces citrouilles et on va les mettre de cette façon, si je ne me trompe pas. Voilà, et ça va me donner des plus pumpkins. Ah, des plus pumpkins ou des pumpkin plus, comme tu veux. Et ça va me permettre, mesdames et messieurs, de crafter déjà le... Ah, ça n'a pas fonctionné. Ok, c'est bon les gars, j'ai réussi. C'était juste à cause d'une petite plante. Oh là, oh là. Oh, il s'est barré. Il s'est barré. Eh, le golem de pierre. Ah, les gars, il est chez moi. Et donc du coup, on va devoir prendre ceci. Hein, parce que là, là, oui, oui, là, tu le need. Oh là là, mais il est si rapide. En plus, il a des ailes. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, waouh. Ok, et du coup, normalement, il nous faut un piédestal. Genre, par exemple, on va prendre... Ben ça va, tu me suis partout. On va prendre ça. Et normalement, hop là, le golem vient se mettre sur sa prise en pierre, comme ça. Et il ne va plus en bouger. Enfin, il va en bouger à la seule condition qu'il y ait un ennemi. Par exemple, si je spawn un husk, il va aller tout de suite lui sauter dessus et le défoncer. Alors, est-ce qu'il va le défoncer ou est-ce qu'il va se faire défoncer? Alors, je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle a l'air d'être un peu teubée quand même. J'ai pas vu. Et puis elle nous fait des... Ah, heureusement qu'il y a le golem de fer qui était là. Bon, je suis désolé, hein, mon petit golem de pierre, mais bon, là, t'étais un peu flingué. J'espère que tes potes feront mieux l'affaire. Donc, on va commencer, mesdames et messieurs, par le golem de sandstone. Donc, voilà. Oh là 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 là. Il est typa magnifique, le golem de sandstone. Et lui aussi, hein, il adore venir chez moi. Bah, salut, hein, fais-toi plaisir. Fais comme chez toi, mon pote. Et bah, écoutez, ce golem de sandstone, je vais lui mettre aussi son piédestal. Et normalement... Où est-ce qu'il est? Golem de sandstone? Le golem de sandstone. Bon, c'est pas grave, on va le ripop, le golem de sandstone. Mais celui-là était grave chelou, hein, quand même. Je sais pas pourquoi il est parti. Allez, vas-y, hop! Sur ton piédestal, t'es pas vraiment dans le bon sens. J'espère que tu adores ma toiture. Elle est belle, ma toiture? Franchement, elle est bien fait. Hein. Le couvreur, il a fait un taf de ouf. Ouais, ouais, ouais. Tu regardes même dans les détails. Hein. Il y a un micro-trou à l'intérieur de ta toiture. Tu devrais faire changer toute la toiture. Ok, bah super, merci. Est-ce que je te teste ou je te laisse là? Je vais te laisser là pour l'instant, puisque on va tester tout simplement les autres golems. Hein, parce que j'ai très envie de les tester. Alors du coup, cette fois, les amis, on va passer au golem d'obsidienne. Lui, j'espère qu'il est trop stylé, parce que déjà, obsidienne, il est censé être badass. Est-ce que t'es... Oh, tu es badass, mais tu es genre ultra badass. Tiens, je te mets ça là. Hop. Oh, waouh, ça, c'est un démon. C'est un démon. Eh, il a les yeux qui changent de couleur en plus. Ah, t'es trop stylé. Oh là là, ce genre d'aile là. Pouh. Oh loulou. Bon, ensuite, du coup, on va pouvoir tester le golem d'or. Voilà, donc on va pouvoir tester le golem d'or. Attention. Oh, mais toi aussi, tu pètes le style, mon gars. Tiens, je te mets ton petit piédestal ici. Viens t'installer. Non, ça t'a pas l'air intéressé. Ah, mais... Voilà, viens par ici, s'il te plaît. Viens là. Mais pourquoi tu vas... Bon, donc on a retrouvé le golem de sandstone, il est là. Il fait la fête ici, je... Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont complètement débiles.
Attends, hop, je t'en remets un là. Peut-être ça va t'attirer. Là, tu vois de l'or, tu dis. J'irai bien là-bas. Bon, alors ils s'en battent totalement les steaks, donc on va le rip-up. Hein, comme d'hab, hein, j'ai l'impression que je vais devoir tout le temps le faire. Voilà. Et au moins, maintenant, il y en a un qui a sa place. Hein, parce que là, je suis désolé, mais l'autre, je sais pas ce qu'il voulait faire. Bon, en tout cas, il est là-bas, il se balade, écoute, il fait sa vie. Il a décidé d'être indépendant. Bon, maintenant, on va tester la gargouille de fer. Attention, de l'herbe. Hop, gargouille de fer. Oh là là, incroyable. Tiens, je te mets ça direct. Mais non, elle s'est barrée. Toi aussi, tu veux faire la fête avec eux dans cette maison, c'est ça? Mais où est-ce qu'il est? La gargouille. Mais qu'est-ce, sont complètement perchés. Ça y est, t'as enfin trouvé le chemin de la maison, toi. Tiens, je t'en remets un là, vas-y. Ah, ils savent pas sur quel se mettre. Oh mais non. Ah, laisse-moi quand même. Oh, voilà, c'est bon, ok. Ils ont réussi à s'entendre. Et mais toi, viens là. Viens ici, le gargouille de fer, là. Allez. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Il va venir, c'est bon, j'ai compris. Même si j'ai très envie de le recraft. Bon, du coup, je le repop, et cette fois, voilà, nickel. Notre gargouille est enfin là où je voulais. Eh ben, dis donc, vous êtes bien buggés, vous toutes, hein. Bon, maintenant, du coup, on a, mes amis, hop, je vais mettre ça là direct, et ça là direct, hein, des fois que je vais recrafter, au moins j'ai déjà les matériaux. Ici, mesdames et messieurs, nous avons la pluie, super, ça fait plaisir. Ça va pas tuer mes golems, par exemple, je sais pas, l'humidité, ça vous fait peut-être rouiller, j'en sais rien. Bon, alors, du coup, cette fois, les amis, nous avons le golem de laine, quoi. Hop, je vais lui mettre direct au pied des stalles ici. Attends, mais c'est le deuxième de Sandstone qui vient de se ramener. Bah, j'avais pas mis le bon. Eh bah, je l'ai mis pile au bon moment. Eh bien, du coup, c'est nickel. Alors, sans Endstone, hop, en plus, direct sur son piédestal. Tech, ok. Bon, alors, c'est relativement le même. Alors, ils ont tous des niveaux de puissance différents. Hein. Savoir que celui de fer est genre ultra puissant. Il a 100 points de vie, il fait du 16 d'attaque, il est beaucoup trop fort. Il est abusé. Mais en plus, du coup, on en a un dernier qui est le golem du Nether. Attention, oh, lui aussi. Bête le style, il est trop stylé. Magnifique, magnifique. Oh non, garde tes yeux rouges, hein, parce que là, on dirait qu'on t'a pissé dans les yeux. Ah voilà, en rouge comme ça. Ah, ça fait plaisir. Ils sont trop bons. En plus, quand ils font des petites flammes et tout comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, alors, toutes nos gargouilles sont là. Et ça veut dire que maintenant, bah, je vais pouvoir passer un petit peu au test ultime. C'est-à-dire que je vais leur spawner quelques mobs. Alors, on va commencer avec les husks. Ils avaient l'air de bien... Ok, c'était rapide, mais efficace. C'était sacrément efficace même. Alors attends, parce qu'on va éviter, il y a du bois dans le coin. Voilà, c'était sacrément efficace les gars, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Ok, eh bien, vu que vous êtes si puissants que ça, on va pouvoir faire des nouveaux tests. Oh, ça tombe bien, j'avais préparé des petites choses. Alors du coup les amis, je vais pouvoir leur mettre des cyclopes. Par exemple, si je mets un cyclope, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, c'est abusé. C'est abusé. Oh, ils s'envolent. Il s'envole, mais c'est incroyable. Oh, ils l'ont dégommé. Oh, il s'est... Wouhou. Oh, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et ils viennent se reposer tranquille, là d'où ils viennent. Oh, mais vous êtes trop fort. Ok, très bien. Et bien, ça fait quoi si je spawn deux cyclopes? Allez-y. Oh, il y en a un qui s'est fait grave. Il y en a un qui s'est fait grave. Ok. Ça rigole, moi. Wouhou. Ça rigole, moi. Ah, ça résiste. Ça... Oh là là. Et... Oh, il s'est fait grave aussi. Ah, j'ai mes golems qui se font grave. Il y a un cyclope qui est mort. Il y a déjà un cyclope de mort. Attention, attention, allez-y. Oh, encore un qui se fait grave. Oh là 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 là. J'aurais perdu pas mal de golems dans cette histoire. On a perdu un golem de sandstone et un golem de fer. Je fais le tour. Ah, le golem du Nether aussi est décédé. Malheureusement. Ok, ça nous fait un petit peu moins de monde. Mais bon, c'est pas bien grave, on va tester du coup un autre boss. Qu'est-ce qu'il ferait si je leur spawnais Médusa? Médusa qui est censé les transformer en pierre s'ils se regardent dans les yeux. Mais est-ce que Médusa peut transformer en pierre quelque chose qui est déjà en pierre? Je ne pense pas, on va checker ça tout de suite. Attention, Médusa! Est-ce qu'elle va se faire dégommer? Pour le moment, c'est un oui! Médusa se fait ultra défoncer. Et bah ça fait plaisir. Alors par contre, juste histoire de se marrer, on va respawn quelques petites gargouilles. Voilà. Hop là, je veux un peu plus de gargouilles. Tac, et je vais leur mettre, hop, des piédestals comme ça. Si je mets comme ça, ils vont peut-être se répartir dessus. Tenez, hein, je vous en mets. Posez-vous les gars. Y'a pas de soucis, voilà. Là, on en a du golem. Bon, alors je sais pas pourquoi ils veulent pas se répartir. Ils sont bien tous ensemble. Il va falloir défendre
ce village à partir de maintenant. Mais bon, histoire que ce soit plus drôle de défendre un village, on va peupler un petit peu le village. Hein, sinon ça ne serait pas drôle. Allez, peuplons ce village un petit peu. Voilà, allez, je veux un maximum de villageois dans le village. Et maintenant, mesdames et messieurs, que ce village est prêt à être défendu, que feront mes magnifiques petites gargouilles contre un dragon de feu qui vient... Ah, ouais, c'est peut-être pas... Ouais, je m'attendais à plus grand. Voilà! Genre ça! Eh ben écoutez, ils s'en battent les steaks du dragon. C'est peut-être pas assez agressif comme dragon. Ouais, ça vous intéresse pas. Hein, les dragons... Ah, bon, je pensais que ça vous ferait marrer. Très bien. Eh oui, les amis, les dragons ne sont visiblement pas une menace pour les gargouilles. Eh ben très bien. Alors du coup, on va spawner un max de cyclopes. Et qu'est-ce que vous ferez, mes chers amis, les gargouilles contre autant de cyclopes? Bon, par contre, je rajoute de la gargouille. Allez, on rajoute de la gargouille. C'est parti! Attaque aux cyclopes! C'est n'importe quoi. Ça y est, c'est n'importe quoi. Je sens que mes gargouilles vont se faire graille. Oh là, et par contre, les gargouilles d'or, là, elles sont trop puissantes. Elles sont beaucoup trop fortes. Oh là, c'est n'importe quoi. Alors là, ça part dans tous les sens. Ah, on a vu, là-bas, il y a un golem qui s'est fait graille par un cyclope. C'est l'attaque des titans, en fait. C'est complètement l'attaque des titans. Et nos golems ont tout simplement des équipements tridimensionnels qui leur permettent de s'agripper. Oh, les cyclopes ont l'air... Oh, les cyclopes se font manger. Ils n'existent presque plus. D'ailleurs, le cyclope se fait attaquer aussi par le dragon, là-bas. Ce qui rajoute un petit peu de difficulté. Ah, ça y est, hop, il est mort. Le golem s'est fait graille. Et là-bas, j'ai des gargouilles aussi qui sont en train de péter un câble. Allez, plus que deux cyclopes, plus qu'un cyclope. Allez, les gargouilles vont-elles y arriver? Oh, et oui! Et oui! Alors, il n'y a plus beaucoup de survivants. Je crois, les gars, que là... Oh oui, il y a tellement peu d'effectifs qu'ils arrivent à se répartir un petit peu sur tous les piédestals. Bon, eh bien, les amis, vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo. Et bien entendu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Pensez aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. Ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, et bien, allez, salut à tous, c'était Oxy. Salut tout le monde!